Le Var devance Paris en nombre de réservations pour les vacances d'été. C'est en tout cas ce qu'affirme le géant de la location sur Internet Airbnb. Si jusqu'à présent le département était la première destination touristique de France après la capitale, il semblerait que la crise sanitaire ait changé la donne. En effet, les réservations vers les zones rurales ont explosé cette année, passant de 29% en 2019 à 45% en 2021. Une popularité qui n'est pas le fruit du hasard, selon l'agence de promotion du tourisme Visite Var. Le Var est une destination totalement sécure, accessible en voiture. Donc là, ça a beaucoup aidé au niveau de la clientèle française, puisque le Var, c'est aussi 80% de clientèle française qui vient soit en voiture, soit par train. Donc effectivement, une destination totalement sécurisée. C'est des personnes qui sont venues en plus grand nombre également sur l'été 2020 et qui certainement vont revenir puisqu'ils ont vu que les professionnels appliquaient scrupuleusement toutes les procédures et dispositions sanitaires. Donc le Var, une destination sécuritaire, en même temps très attractive par rapport à son environnement, son patrimoine et la qualité des prestations des entreprises touristiques. Le Var, ses grandes plages, ses îles, ses forêts et ses villages pittoresques, autant d'atouts qui séduisent les touristes français et étrangers, pour le plus grand bonheur des professionnels de la location saisonnière. Il faut bien voir que là, on est passé devant Paris strictement sur l'hébergement en location touristique, parce que Paris et Île-de-France, hein, quand on dit après Paris, c'est Paris, la région Île-de-France, a une offre beaucoup plus importante, que ce soit en location touristique, en hôtellerie, en résidence de tourisme. Donc là, effectivement, c'est un épiphénomène. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce phénomène continue, parce que sur les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, il y a beaucoup d'attractivité sur la destination Var, notamment aussi sur les locations touristiques. Pour l'été qui démarre, il faut donc s'attendre à une fréquentation très forte dans le Var. Une bonne nouvelle pour l'économie du tourisme. Chaque été, le département accueille 9 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros.